Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Parola et Faisé la caille. Nous allons partager ensemble avec vous une information qui est pour ensemble avec phénomène d'insécurité dans le pays d'Haïti. Mais bien avant, permettez-moi de prendre un petit temps pour me capable saluer ou pour me capable remercier ou même qui pas jamais la guenouillon maille chaque jour, qui toujours prend temps pour capable suivre édition nouvelle nous yo, ou même qui toujours encourage nous avec et like ou yo, commentaire ou yo, ou même qui partage vidéo nous yo. Merci et pour collaboration. Et dossier Arnel Joseph qui t'a fait tentative pour t'être capable de sauver dans pénitencier Croix des Bouquets. Eh bien, Arnel Joseph, d'après information que yon journaliste qui t'a fait yon interview ensemble avec Arnel après que t'a fait tentative pour le sauver, allez, monsieur lui fait connaître. C'est pas sauver le tap sauver, c'est une sorte de manifestation que le tap fait et à cause traitement qu'il y a balé dans la prison. Hein, et monsieur dit il n'y pas passé le bien en dans la prison. Hein, c'est juste pour être capable et relayer attention yo que le fait ça, le fait. Mais c'est pas sauver le tap pour le sauver. Si le tap sauver, le tap capable de faire. Parce que les gens contrôlent prison, hein, les gens contrôlent policiers, yo, même dehors prison, les gens contrôlent, li, mais les mêmes, c'est juste pour être capable de relayer attention autorité qui fait ça, qui fait l'autre joie. Et nous invitons pour capable suivre et plus de détails, nous parler dans le programme et moment vérité, c'est là que nous extrait et partie information ça. Nous invitons pour capable suivre. Parler avec monsieur. Bon journaliste. Qui parle à monsieur. M'a pas salté. Bonjour. Parce que j'ai un peu le doute sur ça qui parle. Moi-même, m'a dit ça journaliste a dit. Bon journaliste qui a parlé avec monsieur. Qui revient ouais, monsieur, fait oui, interview avec. Il fait entrevue avec lui. Arnel Joseph dit que c'est pas sauvé, il t'a sauvé. Et s'il t'a sauvé, il y a personne qui t'a qu'à empêcher le sauver. Monsieur dit que son revendication il t'a fait au fait que yo privé de toute bagarre en dedans. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de manger. Non, ça va donc, je dis, c'est son revendication. Il me pensait que les organisations de droits humains doivent se prononcer sur ce cas précis. Parce que quand même, il est un être humain. Oui. Donc si on arrête, il y a déjà plus de 6 mois, est-ce que dossier, qui côté dossier a est-ce que dans le cabinet d'instruction, où est l'ordonnance de clôture du juge, plus de 6 mois après? Donc, je pensais que faut la justice là relever tête li, ni dans le cas Toto Constant, ni dans le cas Sato, quelle que soit l'infraction, tu as reproché mon nom, mais comme citoyen, comme être humain, il mérite un traitement digne de ça. Ça va dépendre de jugement, qui ça va le sortir dans le jugement. Tout. Donc, pour me conclure là-dessus, c'est que monsieur. Donc, Arnel n'a pas gagné du tout, ou t'as une ordonnance de clôture au cabinet d'instruction déjà. Eh bien, c'est ça, Mdou. C'est que... Vous connaissez qui juge d'instruction sur ce dossier ça me l'a dit, qui juge qui se lit. Non, pas connaît. Ah ben, bon, bon. Vous connaissez Arnel là très bien. Vous connaissez son cas qui relie à la politique, beaucoup. Non, m'a parlé Arnel Joseph. Non, c'est Arnel Joseph même, oui. Oui, oui. C'est Arnel Joseph même, oui, m'a parlé. Mm-hmm. Qui relie à beaucoup d'hommes politiques. Oui. C'est pour ça que ça me dit que ça parle dépendre de qui ça parle sortir dans le jugement. Oui. Mm-hmm. Ça veut dire que pour juger Arnel, automatiquement, il y a un paquet de dossiers pour le sortir dehors. Mm-hmm. Donc ça explique tout ça. Mm-hmm. Mais qu'on y a là... On conclut là-dessus. Comment ça, monsieur dit? Mm-hmm. Monsieur dit que puissance de feu, la police n'a pas gagné. Ah bon? Donc, si l'aile veut sortir, elle a sorti. Dans l'interview, elle dit ça? Oui, monsieur dit ça. Ou elle me dit publiquement. Okay. Ça veut dire qu'elle me sous moi. Mais monsieur dit sa puissance de feu. Et l'autre bas, monsieur dit encore, monsieur dit que capacité de contrôle que le gagne à l'extérieur n'est pas même qu'on elle-même. Mm-hmm. Ça veut dire monsieur sous-entend que quand pile gang qui dehors, c'est le cap contrôlé. Pour le moins, il est intelligent. Pour arriver à un niveau ça, un minimum d'intelligence, ce que j'ai gagné. On a gagné tes têtes là, oui. Qui passait à 30 mètres de clôture par les nationales, là, pendant qu'on met dedans, oui. Maintenant, il vient arrêter, monsieur. Il vient arrêter, monsieur. Mais Sodia, celle d'Istéanel, côté, c'est jamais jugé, peut-être mourir. Parce que même pas qui ça nous gagne dans nous, pour aller camper devant le tribunal, pour condamner Arnel. Non, c'est pas que nous ne pas condamner. C'est pas que nous ne pouvons pas condamner un pile monde. C'est parce que Arnel doit condamner un pile monde. Et Arnel dit ça tout. Lui dit ça. Lui dit ça. Et toi, Kanek qui dit, c'est bandit qui a préféré Bayo. Mais colonel Révu, vous allez se comprendre. Petite précision, je vais voter rapidement. Nous tous là, c'est avocat, c'est moins que pas avocat. Même son criminologue. Nous allons poser une question. Nous dit que. En elle capable d'impliquer un pile monde. En droit. En elle sont bandits. Ok, un bandit. Comment tout le monde compte si c'est en elle.
Est-ce qu'on pense que les propos d'Arnel, après qu'on finit arrêté, capable d'auter de ce. Gagne des bagailles, monsieur, gagne des bagailles dans Mel. Il y a un droit de mener une perquisition en base, monsieur. Et puis, il y a 11 âmes. Et puis, il y a un remonté filé à Zam. Il y a un Zam, ça, son Zam qui était dans le stock palais national. Oui. Moment, vérité. Oui, mais le ça, qui est-ce qui est impliqué? Ah non, c'est les. Obligé par les nationales. Par les nationales, sont côté privé, des centaines de monde fréquentés. Attends une minute. Lorsqu'on me demande des nègres, pour ouvrir le numéro de série, chaque Zam, il ouvre le moi. Mais voilà, bien. Non. C'est pour question anodine. Parce que chaque Zam a une histoire. Zam n'a pas histoire. Zam n'a pas acte de naissance et oui, enregistre oui, côté. De vous capable de remonter filiable ou toute route que Zam n'a fait. Mm-hmm. Maintenant, nous en avons un bagage qui est beaucoup plus. En Haïti, comme vous dites plusieurs fois, nous avons un vrai faux problème de sécurité. Moment, vérité. Nous avons un vrai problème de sécurité parce que les acteurs fait, nous avons souffert de eux. Ok, mon qui pas dans les citoyens qui payent les conséquences. Hein? Les faux, parce que les pas un comportement lié à une acception idéologique. C'est deux monde qui, même le bandit a parlé de ça, qui aurait dû dans la misère, c'est deux monde que bio rentre en forme de prostitution, c'est deux monde qui rêvait de côté pas fait pour te. Par exemple, le map temps du président Jovenel Moïse ces derniers temps, m'a demandé si M. Bagay famille, parce que M. Zonek qui est entré dans le cadre de Gombayo, c'est pas en psychologie, c'est en psychiatrie. Il est dans le délit obsessionnel. Moment. Non, c'est vrai, oui. Il est entré dans la phase du délit obsessionnel. C'est fort, colonel, c'est quand même le président de la République. C'est vrai, c'est je te dis que son cas relève de la psychiatrie. Son cas relève de la psychiatrie. Il est dans le délit obsessionnel. Mais pour le moins, nous avons une cohérence dans la pensée, dans la palette. C'est ce qu'on appelle le délit obsessionnel. Il y a un bagaille que le rend compte. Ligue en bagaille, il pas vle crivel. Elle conseille de multitudes de comportements qui cohérent par rapport à l'objectif qu'elle gagne. Mm-hmm. Par exemple. Alors sauf qu'on par contre qui garantit le gagne tout. Ça qui arrive, il y a une garantie de l'international, il y a une garantie de implosion qui gagne au niveau de l'opposition politique. Implosion au niveau de l'opposition politique. Garantie au niveau de l'international, coronavirus qui fait que bon certaines démobilisations, tout ça qui a poussé le fait des excès. On peut le garantir. Mais pas qu'à compter sur la Turquie, non. C'est là actuellement un conflit entre la Turquie et la Grèce, donc l'électricité que nous prévoit, elle va garantir. Attends, mais on peut le garantir. Même l'on garantit, mais même on peut le garantir pour aller où, pour obtenir quoi, pour réaliser quoi. Monsieur, qu'on précise, j'ai besoin de voter pour nous rapidement là, sur CSPN, bon, une seconde pour me faire. Parce que, dans la loi 29 novembre 1994, parce qu'on est mon yo, attendez nous là, dans l'article 14 là, il y a une composition CSPN. Là. Donc, m'a dit nous là, parce que nous t'es, il dit que le premier ministre, chef du gouvernement, président, le ministre de la justice, premier vice-président, le ministre de l'Intérieur, deuxième vice-président, le commandant en chef des forces de la police, donc le DG de la police nationale, directeur général de la police nationale, donc secrétaire exécutif, et l'inspecteur général en chef de la police nationale, secrétaire exécutif adjoint. Donc, Lénon dit qu'effectivement, regardez, les deux éléments qui, ça veut dire qui, dans le système police-là, il y a tous les deux joué le rôle de secrétaire exécutif et secrétaire adjoint, et tout reste mounio, donc le premier ministre, le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, c'est le même qui occupe la c'est justement l'expression de pays. Alors le ministre de l'intérieur ne fait pas partie du CSPN. Non, le ministre de l'intérieur, deuxième vice-président. Le ministre de la justice. Deuxième vice-président. Deuxième vice-président, c'est le ministre de l'intérieur. Ok, très bien. C'est justement l'expression dont pays tête en bas. Ma petite précision. Vas-y. Ouais, ça, moi, mais net. Ils ont monté structure ça, même j'ai remonté tout conseil d'administration des entreprises autonomes de l'État. Le directeur général,
est le secrétaire du conseil d'administration. Donc, il n'y a pas à prendre tant qu'on une méga structure. Exact, justement. Stratégique. Alors, ce, stratégique et opérationnel. Donc, ils fait le même genre à tout conseil d'administration. Oui, oui, oui. Et dans l'État. Oui. Quel était APN, quel était OAVCT, quel était TNH. Donc, c'est le même genre que vous faites. Alors, moi-même, bien mon dit, moi, il y a des tas de. On ne peut pas mettre de côté l'exception culturelle d'un peuple. Parfois, le diable est dans les détails. Pour où on est, quatre peuples ça bien. L'Éodile, la police. Vous l'avez les nègres, la directeur général. Il va avoir l'autorité. Donc ça veut dire c'est que le commandant en chef mais, de force de police. Donc structure ça n'a pas qu'à bas résultat. Avec non, mais, un non, contexte de gestion par résultat. Non, mais dans la même constitution. Et ça nous dit. Ou pas qu'on directeur général de la police, non? Non. Dans la constitution, pas qu'on directeur général. Le commandant en chef de la police. Le commandant en chef de la police nationale. Donc, la force publique se compose de la police et. Voilà. Ou le commandant chef des forces armées, ou le commandant chef de la police nationale. Alors c'est le m'a parlé irrationalité, non. Par exemple, quand il y a un qui fait n'a pas l'empile, ces gens ont fait de arrêter, décret, etc. Ou bien un gouvernement qui dit qu'il reconnaît, et tout le monde d'accord, que la constitution ça, l'oblige ou elle. Très bien. Si moins obligé ouais le concept global du fonctionnement de l'État haïtien que la Constitution a défini. Comment me fait absorti de arrêter qui pourrait sortir dans 2 ans? Si nous faisons sortir arrêter ça, et puis la Constitution vient prendre des mesures qui contraire à sa prévoyance. On parle de décret code pénal là, c'est de ça qu'on parle. Oui. Je parle effectif dans 24 mois. Dans 24 mois. Des dispositions transitoires. Voilà. Or, justement, qui est-ce qui est la source de toutes les lois? C'est la Constitution. Exactement. Donc, si je veux mal travailler sur la Constitution, faut travailler sur la Constitution, et puis qu'on y a une prêle partie à partir de règles, ça, pour me prendre tout et bagaille et légiférer. C'est une approche logique là. Tu vois? Ou même, où sortir, arrêter. Un décret, le contraire à des prévisions constitutionnelles. Oui. Est-ce que les Sawab dit que mon yo fou? Mon yo pas fou. Ce sont des criminels réfléchis. On parle de qui est-ce? Mon qui fait ça ou faire? Qui se fait qui ça? Le par exemple, ou regardez ou dit où est un décret ou fait sortir. Et quand ça pédu, c'est que c'est des bails qui obligé fait, oui, qui est indispensable. Où est le code pénal? C'est un travail indispensable. Oui. Qui t'est le fait déjà. Oui. Qui t'est doué fait déjà, oui. Moment, vérité. Donc voilà, on va dire un bagaille qui est indispensable, qui fait ou le fait. Et puis quand on prend le tout nos jouets, il y a l'écrit dans le bagaille là. Et que le président de la République là, il y a un pouvoir. Pour lui amnistier au monde. Avant même son jugement. Pendant le jugement. Et après le rendu de justice, est-ce que vous imaginez que mon président a amnistionné pour un acte qu'il commet qui contre la loi sans que la loi pour condamner, sans que la justice pour condamner. Donc il faut quand même reconnaître que monsieur pose ces actes-là et que le coupable. Justement. Pour la justice, justement. Président capable de faire une amnistie pour une peine, dit qu'il a commis une peine, pour une peine qui prononçait. En matière politique. En plus, en matière politique, quand il y a le précisé dans le bas, si les gens font un crime financier, les volent l'argent de l'État, les crasons boîte de caisse l'État, la lavelle, le président qui a fait l'amnistie. Il a fait l'amnistie avant même que le juge. Il a fait l'amnistie pendant. Je ne comprends pas. Mais mon monde qui peut juger, pas besoin d'amnistie en aucun cas. Ils sont suspects, sans qualité de suspect. Donc, cela témoigne de quoi? Et c'est là que je vais retourner sur le cas président.